Bah, je pense que le parcours était très très compliqué, mais c'est fabuleux d'avoir pu jouer Augusta, faire 18 trous en compétition avec une carte dans la poche, donc c'était une expérience de fou. Même si bon, j'ai très bien putté aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup aidé sur ces greens, mais j'ai pas très bien tapé la balle, du coup c'est pour ça que je fais quelques erreurs. Mais c'était quand même une expérience de malade de pouvoir jouer ici. Je vais essayer de passer professionnel le plus tôt possible. Je viens juste d'avoir 18 ans, j'attends d'avoir mon bac en France, donc la fin de ma high school. Et après, bah, je verrai, j'essaierai de tenter ma chance. Normalement, j'ai une bonne capacité à faire des birdies. C'est d'ailleurs une force. C'est vrai que bah, sur un parcours comme Augusta, c'est ce que je disais à mon caddie, c'est que on a un peu l'impression que c'est ou birdie ou ça peut être vraiment plus. Les parts sont pas faciles à prendre. Même sur les greens où on a l'impression que le drapeau est posé au milieu du green, les deux putts sont faciles, c'est jamais facile. Bon, même si le golf n'est jamais facile, c'est encore plus difficile ici. Déjà d'avoir travaillé avec quelqu'un sur le sac, ça a été une super expérience parce que depuis que je suis jeune, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec quelqu'un et donc d'intégrer quelqu'un à mes pensées quand je suis sur le parcours. Donc c'est vraiment continuer sur cette lancée-là, à essayer d'avoir d'autres tournois pro où je peux travailler avec Sébastien. Et après, ben, on a vu plein de choses niveau jeu et surtout au niveau du chipping parce que j'ai eu du mal à trouver confiance au chipping sur les derniers tournois parce qu'on joue sur une herbe qui est très grasse, qui est encore dormante. Donc on se gourre d'un petit millimètre et ça peut faire une gratte alors que bah, quand c'est ici, on tape un peu avant, hein, ça passe quand même dessous et puis c'est parfait. Donc ça, avoir une expérience ici avec des chips un peu autour des greens, un peu pas facile, ça m'a permis de voir que je maîtrise bien mon chipping et ce que fait le club. Et donc ça cale le travail pour la suite, mais surtout ça donne un petit peu confiance.